Salut les players, c'est Guillaume. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Magic où on va jouer un Vintage Cube. C'est l'épisode numéro 2. Dans l'épisode numéro 1, je vous le rappelle, on a fait une victoire et deux défaites, et là on va essayer de faire mieux. Alors, si vous êtes prêts, 3, 2, 1, let's play. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Banishing Light, l'île volcanique, Mana Crypt, Narset, Wall of Blossom, Exhum, Sylvan Caryatid, Oblivion Stone. Oblivion Stone, ça peut être pas mal. Ça fait un bon Razboard. Wall of Fortune. Un peu compliqué. Oblivion Stone. Ça ressemble à la meilleure carte. Est-ce qu'on a quelque chose de mieux? On pourrait prendre Volcanic Island pour se fixer. Mana Crypt. Si on veut aller rapide. Et Oblivion Stone, ça oblige à avoir 8. Peut-être Mana Crypt. Mana Crypt pour aller vite. On verra si Oblivion Stone revient. On a vu dans le premier épisode que c'était un jeu de vitesse. Donc on va prendre la Crypt. Et Miracle. Est-ce qu'on tente sur des Eldrazi? Si c'est le cas, on a la Crypt qui est pas mal. Est-ce qu'on a... Il y a Sneak Attack dans ce cube qui nous permet de mettre une carte depuis notre main sur le champ de bataille. Est-ce qu'on a de mieux? Zandikar, le petit Gideon. Je pense qu'on va prendre Emrakul. On va tenter le Hardcast. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a quelque chose qui donne envie? Une relique, non. Lightning Strike pour mettre 3 dégâts. Ashen Rider, c'est pas mal. Pour exiler un permanent. Je pense qu'on peut prendre ça. Et on arrive avec Ugin, qui est très bon. Brainstorm, Court of Bounty. Si on est le monarque, ça peut être pas mal. Pour nous permettre de mettre nos grosses créatures. Donc là, l'idée, c'est avec Court of Bounty, on devient le monarque. Si on arrive à le rester au début de notre entretien, on met une créature depuis notre main sur le champ de bataille. Et ça, c'est plutôt pas mal quand on a pris Ashen Rider et Emrakul. C'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Salvine Library, où c'est parfait. Est-ce qu'on a autre chose qu'on aimerait? Daze, un petit contre-sort. Ça nous permet là, avec Salvine Library, de vraiment filtrer notre bibliothèque. Mais est-ce qu'on n'a pas mieux? Daze. Pour un contre-sort. Si notre adversaire va full tap. Peut-être un contre-sort. Un titan. Valky. Omnath. Tamrap pour prendre un autre tour. Spellseeker, c'est pas mal. On peut faire un land blanc-rouge. Bleu-rouge. On a Daze. Ça nous permet de jouer rouge, peut-être. On va prendre le terrain. Je vois pas forcément quelque chose de mieux pour l'instant. Avec le Behemoth. On veut pas trop jouer vert pour pas tomber dans le même cube qu'on a fait la dernière fois. N'hésitez pas à le regarder, c'est l'épisode numéro 1. Donc voilà. Là, on part sur quelque chose d'un peu différent. Lotus Bloom. Pour ajouter 3 mana. Le Sphinx. Ça vole. Ça, on partirait sur bleu. Bleu-bleu. Ça peut être pas mal. Lotus Bloom aussi. Mais il faut attendre 3 tours pour qu'il arrive, on le sacrifie pour ajouter 3 mana.
Je pense qu'on va prendre le sphinx. Le sphinx, ça nous permet de repiocher. C'est pas mal. Mana flare. C'est à double sens. Un mille. Moi, j'aime bien meuler en général, mais alors là, on n'est pas vraiment parti pour faire du storm. Est-ce qu'on a quelque chose de mieux? Banfire. Mana flare. Je pense qu'on va quand même tenter. Est-ce qu'on peut tenter de meuler? On peut tenter la meule ou on prend un signet pour aller plus vite. Oblivion Ring est revenu. On a Lumbering Fall. On a du bleu et du vert pour Court of Bounty. On peut prendre le terrain. Si on prend le terrain, on est bien. Oblivion Stone. Ça vaut 8 à jouer et ça nous sacrifie tout ce qu'on a. Je pense qu'on va prendre le terrain. Et ici, qu'est-ce qu'on peut prendre de bien? Détruire l'artefact, détruire l'enchantement. Et encore un terrain. Bleu, vert. Un désenchante. On en a déjà un là. Si on reprend le terrain, ça nous permet de fixer. Fixer quoi? Pour l'instant, je ne sais pas. On va prendre le terrain. Sun Titan, Emery. Pourquoi pas Emery? C'est bleu. Monastery Mentor. Et Adeline. Qu'on a un peu de tout. Pas beaucoup de grosses créatures. On n'a vu qu'un Eldrazi. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en. Parti sur un deck un peu sneak attack pour pouvoir mettre ces grosses créatures sur le champ de bataille directement. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Azoret, Liliana, une épée, un fetch, deux fetch, un contre-sort. Peut-être que le contre-sort, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. On prend contre-sort. Un peu contrôle. Jace, non. Liliana. Un signet. Ça nous fait aller plus vite. Jace, ça peut être trop lent. Et si on prend le signet, ça peut nous aider à fixer si on a un problème de mana. On n'est pas encore vraiment fixé sur ce qu'on joue. Une Force of Will, c'est un beau contre. On a Caracas qui peut renvoyer une créature légendaire à la main de son propriétaire. On peut garder le contrôle d'un artefact. Ou Force of Will. Ou le voleur. Ça vole. On va prendre le voleur. Le voleur parce que Force of Will, pour l'instant, n'a pas beaucoup de bleu. Frantic Search. C'est un draw gratuit. Prismatic Vista, c'est un bon fetch. Walking Ballista, ça peut être pas mal. Quoique. Frantic Search, Draw Discard, Prismatic Vista, ça fetch. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant? Snapcaster. Snap. Pour un contre, en général ça marche plutôt bien. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose pour gérer les créatures. On peut prendre une probe, ça nous fait piocher. Un piocheur gratuit. Mais est-ce qu'on a mieux? C'est peut-être le Snapcaster. Je pense qu'on va prendre la probe quand même.
Juste pour pouvoir savoir ce qui nous attend un peu chez notre adversaire. Ça peut pas faire de mal. Donc pour l'instant, très peu de créatures. Je pense que notre plan Eldrazi est tombé à l'eau. Tout le monde a dû faire pareil. On en a un. On a Court of Bounty. On a combien de créatures? Deux créatures. Trois créatures. Quatre créatures. Deux créatures blanches ici. 5 avec Ashen Rider. Du contre, on a 5 terrains. 7 sources de mana ici. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Chupacabra, c'est plutôt pas mal. Et Manslayer. Ou encore un Signet. Le Signet, ça nous aide pour le Ashen Rider. Ça nous aide pour Emrakul aussi. Ça fait peut-être beaucoup de Signet. Et si on prenait Manslayer? Oh, l'Arsenal Cruelty, c'est vraiment très fort. On va le prendre. Ou à choc, on a joué contre et ça s'est très mal passé pour nous. Donc on peut le tenter. On va tenter à choc. Un petit bleu noir. Lightning Helix, blanc rouge, on n'a pas. Oust. Liliana, si on part en noir. Est-ce qu'on est en train de faire n'importe quoi? Il y a une chance. Avec Golos, ça nous permet de jouer nos grosses créatures si besoin. Et ça peut être pas mal. Force of Will est revenu. On va prendre Force of Will. Ça nous fait 3 contre-sorts. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? On va prendre l'Onis. Juste pour investigate. On prend une taïga. Et Factor Fiction, je pense qu'on ne jouera pas. Et un dragon. Ensuite, Pyretic Ritual, c'est pas mal pour aller vite. Et on a Emrakul, ben on va prendre Emrakul. J'ai toujours bonne chance qu'on arrive à le jouer à un moment ou un autre. Dark Confident, non, parce qu'on n'a pas envie que ça nous retombe dessus. Urza's Saga, Niv-Mizzet. Urza's Saga, c'est pas mal. Ou alors on prend le contrôle. On prend le contrôle d'une créature. On prend le contrôle d'une créature. On est un peu contrôle. Et ensuite, on a Night Whisper. Ouh, un artefact. Parfait. Des Splinter Twill. Splinter Twin, on n'a pas la combo. Est-ce que ça vaut la peine qu'on le tente ou pas? Guild Lotus pour 5.
Ça fait beaucoup, mais c'est un bon fixeur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de fixer? Je pense pas. On a déjà pas mal de trucs. Final of Devastation. Ça peut nous permettre. Ça peut nous permettre quoi? Pas grand-chose. Goldspan Dragon. Un peu de rouge. Pourquoi pas? C'est une créature. Donc on a 3 contre 11 créatures qu'on a envie de jouer. Ça fait pas beaucoup de créatures pour commencer. On a un petit Jace. Show and Tell. Un artefact, créature ou un land. Ouh, bah Show and Tell, on va le prendre. Ça nous permet de mettre tranquillement des cartes de notre main sur le champ de bataille. Treasure Coast pour piocher. Ou Atarka. Un bon dragon encore. Et ça gère quelques menaces adverses. Une 8-8. Je pense qu'on peut prendre Atarka. On va prendre Atarka. On part sur du lourd. Memory Jar. Bleu-rouge. Un terrain bleu-rouge, bah oui, pourquoi pas. Et là, Birthing Pod, non. Stomping Ground, Vendilion Click, Path to Exile. Path to Exile, on n'a pas grand-chose. Vendilion Click, c'est pas mal. Ça fait une créature, un petit bloqueur. Et. Nous revoilà ici, Lingering Soul, ou Kolaghan's Command. Kolaghan's Command, c'est pas mal. Donc on est parti sur une pile de bonnes cartes, ou de cartes pas trop mauvaises en tout cas. C'est juste dommage qu'on n'ait pas eu Sneak Attack. Ça aurait pu faire la différence. Belfous Streak, je pense qu'on va le prendre. Vol, contact mortel, et ça pioche. Et là, on prend du fetch blanc-noir, pour aller chercher du blanc ou du noir. Ou alors, on prend un terrain. On prend le terrain directement. Et Steam Vent, bleu-rouge. On a pas mal de terrain. 11 terrains, on en a peut-être pris un peu trop. Enfin, 11 sources de mana. C'est beaucoup. On a 14 créatures. Un peu de gestion. On tente à choc. On tente l'Arcane. 15 créatures. On peut prendre Iron Dolphal. Et merde. On va prendre Ooze, on s'en fout. On aurait bien pris notre carte sur Ooze, c'est pas mal au final. On aurait pu faire pire. Disons qu'on veut pas du blanc. Phase Bond, on n'en veut pas. Court of Bounty, c'est pas mal. C'est pas si mal. Ça nous oblige à jouer deux verts. On devient le monarque. Et on a un autre anti-bête ici. Donc voilà, on va pouvoir construire notre deck. Donc voilà qu'on a pris beaucoup de terrain. Alors, Mana Crypt, c'est une source de mana. Les Signets aussi. On a une probe. On a Counterspell et Daze,
qui sont des, nos contresorts. On a aussi Force of Will. Quand une autre créature non token rentre sur le champ de bataille sous mon contrôle. C'est bien, mais c'est pas top. On n'a pas forcément beaucoup de créatures qui vont rentrer sur le champ de bataille. On a ces deux-là à deux. Colagan's Command, Ashiok, Liliana, Mandylion Click, on veut, Schwentail et Emry qui nous permet. On met Golos au cimetière. Et on peut. Avec Golos, ça nous permet vraiment. Emry pour Golos. Emry pour Golos, c'est pas mal. Court of Bounty ici. Un voleur. Factor Fiction. Qui nous permet. On n'a pas envie que notre adversaire les sépare. L'Hellkite. On n'en veut pas. Goldspawn Dragon, peut-être pas non plus. 8, on a l'Arcone. Donc on a combien? 13 créatures et 12. Ça fait 25. Signet. Mana Crypt. Noir, rouge, blanc, vert. Est-ce qu'on fait du blanc, vert? Est-ce qu'on veut du blanc, vert? On veut Court of Bounty. On veut du rouge et du noir. Que la Gans commande. Et du blanc, Ashen Rider peut-être. On fait rouge-vert. Un rouge-vert ici. Un bleu-rouge. Blanc-vert. Bleu-rouge. Bleu-rouge. Fetch. Noir-rouge et bleu-vert. On fait du noir et du rouge. Noir et rouge, on n'en a pas forcément besoin de beaucoup. Disons, donc on est à 25, 25, 15, ça fait pas beaucoup. On enlève Liliana. Il nous reste Ashiok, un bleu, un noir. On a notre signet. Et ici, on a deux sources noires. On peut peut-être ajouter un marais. Si on ajoute un marais, qu'est-ce que ça donne? Marais qu'on peut fetcher. On a du bleu et du vert. Donc du bleu, c'est très bien. On a du bleu et du rouge, qui est aussi très bien. Du blanc et du vert ici. Peut-être le Steering Wood qu'on peut enlever, vu qu'on ne joue pas le Scavenging Use. On a du blanc-vert, on a du vert. Atarka, c'est rouge et c'est vert. On a ce qu'il faut. Il nous faut pas mal de bleu. Il nous faut. Donc on a ici nos 9 terrains. 24, ça fait 16. 16, c'est pas beaucoup. J'enverrais bien 17 peut-être. Est-ce qu'on enlève Colagan's Command? Colagan's Command quand même, qui nous permet de renvoyer une carte de créature dans notre main, de détruire un artefact, de faire défausser notre adversaire. Peut-être une carte un peu trop situationnelle. On a 23, 23, 17. Il nous faut beaucoup de bleu. Bleu, bleu, noir. Un color. Et tout ça, on espère pouvoir juste les poser avec Schwentail.
Avec juste Show and Tell, ça fait quand même pas beaucoup. Et est-ce qu'on prendrait pas l'Onis quand même? Non, on n'a toujours pas beaucoup de créatures. On investigate, on met un clou. On mettrait quoi? Trois clous. Trois clous, c'est pas beaucoup. Et encore, tout ça pour essayer de récupérer une carte de notre adversaire. Je pense que donc on est à 9, il nous manque 8 landes. On met quoi? On a mis un marais. On a du rouge. On a suffisamment de sources rouges, je trouve, comme ça. On a un peu de noir. On va mettre du bleu. Du bleu et un blanc pour Ashan Rider. On a combien? 41, j'en ai mis une en trop. Une île en trop? Ou c'est la plaine qui est en trop? Est-ce qu'on veut jouer Ashan Rider? Peut-être pas. On a 40 avec beaucoup d'îles parce qu'on joue beaucoup bleu. Du vert 1, 2, 3. Va peut-être mettre une forêt quand même juste pour Court of Bounty. Et on enlève une île. Comme ça, on a combien de sources vertes? 1, 2, 3, 4. Ça nous permet de faire une Court of Bounty, sachant qu'on a le Signet en plus. On n'a pas de blanc, donc on ne peut pas Hardcast Ashan Rider. Je pense qu'on peut le tenter comme ça. Allez, je pense que. Je pense qu'on est bon pour la première. Et c'est parti. En allant gagner le lancer de dés, on va vouloir jouer premier. On a deux terrains, une probe, Show and Tell et Ashan Rider. On est pas mal, je pense qu'on va la garder. Et on va faire heal. J'interactionne probe. Et on voit le. Notre adversaire, Noble Hiérarche, Mox, Memory Jar, Sylvan Library, un Mox, une forêt, un Noble Hiérarche. Ok. Il y a l'Avenger de Zendikar. Et nous, on peut faire Steam Vent, tap et passer le tour. Le mage, est-ce qu'on a envie de le contrer? On le contre avec Force of Will. Et notre adversaire, il a toujours Avenger of Zendikar. On va tenter. Et on va exiler Ashok, on peut pas le jouer. Et donc, on est bien, on a une île. On fait Show and Tell. Et on récupère l'Avenger de Zendikar. Et on l'exile. En tout cas, c'est notre plan de jeu. On le savait, on va lui exiler.
son Avenger. Et on peut passer le tour. Je pense qu'en plus, on a mal joué nos terrains. On aurait pu jouer le Spire Bluff Canal. Ça aurait été mieux. Ok. On a un marais, on aurait pu jouer à choc. On va faire une phase d'attaque. Et on arrête notre adversaire sur sa phase de draw. Et on vend Dillion Click. C'était sur sa phase en haut. Tant pis. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On vit click nous-mêmes. Vincent Zenith à 4. Ok. Et on va récupérer en face. Qu'est-ce qu'il peut bien aller chercher à 4? Un coursier. Ok. On va prendre un. Et on vit clic et on passe à une phase d'attaque après. On connaît ces Memory Jar. Et Salvine Library. Et on va sacrifier une île. Court of Bounty, on peut pas le jouer. On va jouer notre Spire Bluff Canal. Et on va passer une phase d'attaque pour 8. Dans deux tours, il est mort s'il n'a pas de solution. En tout cas, c'est le mieux qu'on puisse faire. Il peut gagner un point de vie en jouant un land. Il va commencer par sacrifier un permanent. Il peut sacrifier un plante. Et c'est gagné. Ok, alors on a Smokestack en face qui est embêtant. On peut détruire l'enchantement, l'artefact ciblé avec ça. Et est-ce qu'on a autre chose à rentrer? Le Ooze, probablement pas. Colagan's Command pour détruire un artefact. Et infliger 2. Ça peut être bien. Qu'est-ce qu'on enlèverait? Un Counterspell. Un petit Baleful Strike peut-être. Et
Mana crypt. On n'a pas envie de se prendre des dégâts. On va essayer comme ça. Et alors, 3 terrains, Lourous, Emery. On a du rouge pour détruire l'artefact. On a Atarka. Je pense qu'on va mulliganer, on n'a pas grand chose à faire dans les premiers tours. Ça, c'est mieux. Et qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? Un marais. Parce qu'on peut faire bleu, bleu, bleu. On a l'Arcone qu'on peut... Ah, bon, ben on a Show and Tell. Show and Tell, Arcone. Christine Best. Ça fait une bonne cloque. Et nous, on va passer le tour. Prochain tour. Show and Tell, Arcone. Ça nous refait gagner de la vie. Notre adversaire, une carte en main. On va espérer que ça soit pas grand chose. On va commencer par regarder ce qu'il a. En payant de la vie. Ok. Show and tell. Et nous, on a Golos, donc on connaît la carte de notre adversaire. Noble Hiérarche, Sylvain Library. Donc on n'en attend pas moins de lui. Et on pourrait même lui voler son Mox. Ou alors, on lui vole sa Casting Best. Et voilà, ça suffit à gagner. Voilà, c'était le premier match. On va passer tout de suite au deuxième. On a gagné le lancer de dés, on va jouer premier. Voilà, pour l'instant, c'est comme hier, premier match gagné. Et le deuxième, pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vole un Mox au tour 3. On a fait un Signet. On n'a pas grand chose, je pense qu'on va mulliganer. J'en profite pour remercier tous mes supporters sur Patreon. On a Ash Rider, on n'a pas de bleu. On aurait dû garder la première main. On va mulliganer celle-là. Bah, c'est pire, mais on va la garder. Et on va mettre une île qu'on ira rechercher avec Prismatic Vista. Et une deuxième île parce qu'on a Call of Bounty. Et on joue Prismatic Vista et on passe le tour. Boma de carrière, ça va être compliqué pour nous. Même notre Court of Bounty va pas faire grand chose. On prend une île. On a Emery. On va jouer Lumbering Fall. Tap. Ça peut nous faire un bloqueur. On
On se refait attaquer par Boma de carrière. Notre Lumbering Fall, il nous faut 4 pour que ça fasse une 3-3. Il nous faut donc encore 2 tours. Young Pyromancer et Vendilion Click. On peut faire Emery. Ça nous fait un bloqueur sur le Boma de carrière. On se meule de 4. Counterspell, Probe et 2 Islands. 2 îles. C'est pas si mal. On aurait aimé peut-être un Signet pour pouvoir le ramener. Donc là, ça oblige notre adversaire à garder un rouge. Défausser sa main. Il pioche 2. Est-ce qu'on est safe sur une phase d'attaque? Moi j'aimerais qu'il attaque pour qu'on bloque. Parce que sinon on ne peut pas faire Court of Bounty. On pourrait faire Vendilion Click au prochain tour. Et jouer le Sphinx. Après, si on fait Court of Bounty, c'est sûr, il attaque. On force l'attaque. Et nous, derrière, qu'est-ce qu'on fait? On réattaque. On rentre sur un élémental. Il a combien? 6 cartes en main. Et si on fait juste Vendilion Click à la fin de son tour, c'est peut-être qu'il y a de mieux. Vendilion Click et on le cible pour voir ce qu'il a. Où il attaque avec tout et on fait Vendilion Click et on bloque. Il va attaquer avec tout pour qu'on prenne 1. Oui. En Vendilion Click, en bloc. On va regarder ce qu'a notre adversaire. Ragavan, Goldspawn Dragon, Fireblast. Ok. Et il a un terrain, donc on a Goldspawn Dragon au prochain tour. On va lui dire Goldspawn Dragon en dessous. Et on bloque. Est-ce qu'il utilise Fire Blast avec ses deux montagnes pour tuer notre clic? Il peut dash Ravagan aussi au prochain tour. 2, 4. On peut récupérer un terrain. Ok. Donc il n'y a plus de Fire Blast.
Bleu noir, on n'a pas, mais on peut tenter quand même de piocher même l'espace d'un tour. Et on va passer le tour. Et qu'est-ce qu'on récupère? Quelque chose de bien. Un signet. Le signet qui nous permettra de jouer notre streak. Deux, quatre. On a quatre sources de mana. Ravagan, ça on le savait. On bloque Ragavan avec Emery. Ou alors, on gère le Young Pyromancer. On gérera le Young Pyromancer après, on n'a pas envie de lui faire un trésor. Ou Show and Tell, ça peut être bien. On aurait surtout pu jouer notre Signet avant. Notre adversaire a joué Azorius Signet. S'il pioche un terrain, on est bien, on peut piocher peut-être Force of Will. Ou un miracle. Donc là, il va nous exiler. On a surtout perdu, on aurait dû le voir. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a envie de rentrer? Quelle commande? On a envie de rentrer un petit quelle commande, je pense. Liliana, moins 2, moins 1. On a vu quelques petites bêtes. Hein. Mais est-ce que vraiment une holly, détruire un artefact ou un enchantement? 12. Je pense que Kekkoman c'est la meilleure carte qu'on ait. Qu'est-ce qu'on va vouloir enlever? Mana Crypt. Liliana peut-être. Beaucoup de petites bêtes. Hein. Liliana, ça nous gère. Nous gère quand même pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'on va vouloir mettre? Court of Bounty. Ça peut marcher pour nous. Peut-être un signet. Court of Bounty. À choc. On va enlever à choc et on part comme ça. On veut jouer premier et on espère pas aller au mulligan. 1, 2, 3. Celle-là, on la garde. On fait Lumbering Fall, Land, Show and Tell. Avec Dragon Lord attaque Atarka. S prouesse.
Il n'y a pas de problème. Pour 2, on n'a rien à faire. C'est vraiment nos Dragon Lords. Ils devraient faire la différence. Yumparo, c'est bien, comme ça on va pouvoir tout tuer. Alors, 1, 2, Signet, on fait rien. Schwentel, Dragon Lord. Et pour notre adversaire, qu'est-ce que c'est? Un KO. Ok. Alors. 2, 1, 1. On va mettre 2 ici. Et est-ce que c'est suffisant pour faire la game? En tout cas, un bon Razzboard, quoi qu'il arrive. On aurait peut-être pu faire 3 ici, 1. Ok, on n'a plus qu'à passer le tour. Est-ce qu'il peut résister à une 8-8? Expressive Iteration, c'est très bien. Mais là, face à Dragon Lord, à Tarka, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Nous, on pioche un terrain. Idéalement, on joue Baleful Strix. Il a une île. Il nous le renvoie en main. Ça existe ça en bleu? Oui. Il peut regarder mes cartes. Il regarde les siennes. Mais alors, il regarde les trois cartes de sa bibliothèque. Il les remet dans l'ordre de son choix. Et ensuite, il peut mélanger. S'il veut, et il pioche une carte au début du prochain entretien. Donc, à mon entretien. Alors, ça, c'est une bonne menace, hein, Dragon Lord à Tarka. On a de la chance, Schwentel, notre adversaire, n'a pas grand-chose à mettre dessus. Okay, il pioche. Nous, on a Spire Bluff Canal. On va le jouer de toute façon. On fait quoi? On fait notre Signet. On va faire une phase attaque d'abord. Phénoxynect qui fera rien. Au pire, il joue une créature. On en prend le contrôle. On a ici 2, 3, 4, 5. On pourrait presque jouer notre Sphinx. Ok, il joue lui aussi un Signet. Grimlava Monster. Ça change rien. On va passer une phase d'attaque. Et on joue notre Sphinx qui nous fait une autre volante. Il lui fait deux menaces à gérer.
Ok, on va pas payer. On est toujours à une portée de main. Notre Dragon Lord. Pour 4. Qu'est-ce qu'il a? Ok, cryptique. Et nous, on peut le rejouer, hein. Sept, deux, quatre, six et un 7. On va le tenter, hein. Est-ce que ça sera suffisant? Il peut nous coller deux, il n'y a pas de problème. Faudrait qu'il ait un bloqueur. C'est un signet, c'est pas un bloqueur. Il nous l'exile et il en crée une copie. Ok, on peut faire Thrower of Temptation pour récupérer notre token. Et on l'attaque avec une 3-3. Il faudrait 4. 1, 2, 3, 4. Et ici, ça nous fait 3. C'est pas assez. Disons, on pioche. Daze, c'est bien. On va jouer Sower of Temptation. Et on passe le tour. On l'oblige encore à être full tap, à gérer notre sower pour récupérer. Quatre, allez, encore deux. Muldrifter, on lui laisse. Ok. Fou, on a eu celle-là. Alors, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on veut à choc? Ça serait pas mal, un peu situationnel. On exile trois cartes de notre adversaire. Ça fait potentiellement des menaces en moins. On a du Daze, on a du Vendilion, on a du Consecrated Sphinx. On a de quoi faire normalement. On va le tenter comme ça. Et on espère avoir une bonne main. Une main ou sur laquelle on peut rien jouer. C'est un mulligan facile. J'espère qu'on va pas perdre là-dessus. Force of Will, Colosse. Ah, j'ai bien peur. J'ai bien peur que ce soit compliqué pour nous. On va remulliganer parce qu'on n'a rien à faire.
Et on garde celle-là. On n'a pas de show and tell. Et on va mettre les cartes qui coûtent le plus cher en dessous. Et on va garder, voilà, celle qui coûte le moins cher, c'est Golos. Mais on va prendre la foudre, une célérité. Voilà, Boma de Corrière. Viclic. On va mettre notre Sanctum. On va passer le tour. Ça fait un bloqueur. Ça peut nous aider aussi. On va mettre Spire Bluff Canal juste après. On a l'impression de revivre le premier tour. Où nous, on ne fait rien pendant que notre adversaire joue Bomet Courrier, Young Pyromancer. Et est-ce qu'on fait une Force of Will sur le prochain sort qui joue ou on la garde? Bon, la question se pose pas. Ah, on peut lui piquer. On peut lui piquer son petit Boma de Courrière. Ça nous fait un bloqueur. Ça l'obligera à le sacrifier, de vider sa main. Ok, Remand. Donc il veut pas vider sa main. Nous on veut pas Force of Will. Portent. Une fois qu'on a posé notre Golos, qu'on lui a récupéré des cartes, on est bien, il faut qu'on trouve un moyen de stabiliser. Le Boma de Courrière est là pour ça. Donc lui, il a fait Remand. Remand qui est plutôt bien. Ça nous a bien géré. Notre Searing Skydiver. Notre petit voleur. Mais alors là, la question, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au prochain tour, on va prendre cher. Prochain tour, on a 4. 4 manas, de toute façon, on n'a rien. Je pense qu'on va en reparti sur notre Skydiver en espérant avoir Golos. Ok, on pourrait jouer Vendilion de Click, voir ce que notre adversaire a dans la main. Avoir un bloqueur pour son Young Pyromancer. On pourrait aussi faire le Skydiver à 2. Avoir toujours un bloqueur pour le Young Pyromancer. Qu'est-ce qui est le mieux? Le Skydiver, on n'a plus rien à voler. On va attendre alors. On va l'arrêter sur sa phase de draw. Et on va faire Vendilion Click.
Ciblant notre adversaire. Ok, Pester Mite. Ravagan, Muldrifter, Grim Lavamancer. Est-ce qu'on a vraiment envie de lui prendre quelque chose? Il n'y a rien qui peut vraiment faire. Grim Lavamancer, 2, 4, 6. Il nous met 6 points de dégâts. C'est peut-être la carte la plus dramatique. Et encore, est-ce qu'on lui contre? Je pense qu'on va. On va lui laisser. Il a Ragavan. Il a le Muldrifter. Il est full tap. Il peut jouer un terrain. Terrain Ragavan ou Grim Lavamancer. Grim Lavamancer, ça me paraissait en effet un bon choix. Nous on fait Golos. On a du noir. On n'a pas de blanc dans notre deck. Bon, 2, 3, 4, 5. Où est-ce qu'on a du blanc? On va voir ça tout de suite. On a Prismatic Vista qui ne nous sert à rien. Là, c'est du noir. Lumbering Fall, Steam Vents. On aurait dû mettre une plaine. On va prendre Lumbering Fall. Ça peut faire un bloqueur au besoin. Donc on a quoi bloquer? Je pense qu'en 3 tours, de toute façon, on est mort si on ne vient pas à bout du Grim Lavamancer. Et nous, Golos, il nous manque vraiment cette source blanche. On a le Signet pour ça. Notre adversaire fait quoi? Ragavan en dash. Il a une île, Muldrifter Ragavan et une carte inconnue. Et alors? On va s'en vouloir de cette source blanche. Ok, ça évoque. On prend 2. Ah, même mieux en effet. Et on se fait attaquer en vol. Il attaque avec tout, on est mort au prochain tour. Parce qu'on prend 2. Ici, on bloque lui, on prend 4. On est à 3. Ou Kolaghan's Command. Retourne Vendilion Uclick. On colle 2 ici. Retourne Vendilion Uclick. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On a combien? 1, 2, 3 pour qui commande. 1, 2, 3 pour la clique. On va mettre 2.
On retourne les Vendilion de clic, on met 2 ici. On fait noir, rouge et vert. Comme ça, on arrête notre adversaire sur sa phase de pioche. On Vendilion de clic et on lui gère son Ragavan. C'est le meilleur play que je vois. Ragavan et Monastery Suspire. C'est une 1-2 contre une 2-1. Je pense qu'on va prendre Ragavan, on le tue. Il joue les deux, qu'est-ce qui se passe? On bloque. On en bloque une. On en bloque une. Ici on bloque. On a 3 qui passent. Je pense qu'on est obligé d'en prendre un. On va prendre le Swiss Spear parce qu'il a la prouesse. Et au pire, on peut contrer même son Ragavan. On bloque. Il a joué une île. Il joue Ragavan. On va laisser Ragavan. Qu'est-ce qu'on récupère? Court of Bounty. 1, 2, 3, 4 et 2 ici et on pioche. On joue un bloqueur. On pioche et Emery. C'est pas terrible, mais ça fait toujours un autre bloqueur. Notre adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque. On va bloquer. Il veut devenir le monarque. C'est normal, il a joué une île. On n'a pas de terrain. On a un terrain, qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3. On met Emery. Ou alors on garde Emery en défense. On fait 1, 2, 3, 4. 4, ça nous fait un bloqueur, il a exproof. Et on a force of will au cas où. On récupère le monarque. Où on met Emery et ça nous fait un deuxième bloqueur au besoin. On va faire deux bloqueurs.
Qu'est-ce qu'on smeule? Emrakul, Archon. Une force of will. Ok. On va lui enlever sur sa draw. On contre. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, pas de phase d'attaque. On met notre terrain. Ouh, Atarka. C'est parfait. Ou alors, Atarka ici. On va le jouer. 2, 3, 4, 5. Et 6. Phase d'attaque à Golos. On garde deux bloqueurs où il y a une créature avec la célérité. On pioche. Ash Rider, c'est pas mal. On va lui exiler le prochain truc qu'il pose. Si tout se passe bien, on est bien. Pour notre adversaire, ça risque d'être compliqué. Peut-être beaucoup de terrain en main. De toute façon, on n'a rien à faire à part attendre. On pourrait 2, 5, 7, 9. On n'est pas encore à Emrakul. On n'est pas loin. C'est un match serré en tout cas. On avait fait un très mauvais départ. Notre adversaire doit se demander comment faire pour remonter dans la partie. On se demanderait pareil. Il nous gère le Dragon Lord. Comme tout à l'heure, en faisant une copie. Et donc, nous, on fait Ashen Rider. On lui gère sa copie. Ça va être... Ça va être compliqué pour notre adversaire. Pour nous aussi, on n'est qu'à 2 points de vie. S'il a une bolt, on est mort. On a bien fait de lui gérer son Grim Lavamancer tout à l'heure. C'était notre meilleur play, on va dire. Heureusement qu'on avait ce Colagan's Command. Alors, que fait notre adversaire? Ça va faire une minute qu'il réfléchit. J'espère qu'il n'est pas en train de laisser tourner le chrono jusqu'à temps qu'il ait perdu. Allez, allez, allez Mathias, il faut jouer, parce que nous, on est prêt à aller sur notre première défaite ou notre deuxième victoire, mais ça va se décider assez vite. Donc peut-être dans 7 minutes, si la vidéo se coupe maintenant et qu'on passe au prochain match, vous saurez pourquoi. Non, notre adversaire a joué une île. On va mettre Ashen Rider et on va lui exiler Steam Vent. Ça change pas grand chose. Techniquement, on pourrait le tuer. Il est à 12. On pourrait faire un Signet. Faisons un Signet pour 2. Ça nous fait notre source blanche. Mais ça nous permet d'activer Golos. Il nous faut les 5 couleurs et 2. Vert, noir, bleu, blanc, rouge.
Est-ce que j'ai bien compté? Vert, blanc, noir, bleu, rouge. Et deux. Donc on les a, on peut tout faire. On va passer une phase d'attaque pour 12. Cryptique. Ok. On tente Golos. Du noir, du rouge, du bleu, du blanc, du vert. Et deux. On va jouer notre best full. C'est peut-être la plus grosse erreur. Est-ce qu'on s'est mis nous-mêmes dans une mauvaise posture? On va le voir tout de suite. Toute façon, c'était un terrain pour une créature pour une créature. Elle avait l'exproof par contre. On a peut-être été un peu trop gourmand. Il peut nous exiler quelque chose. S'il exile Golos ou s'il exile pas Golos, on refait du Golos. Ok. Ça, on le savait. Allez, il nous reste 3 minutes. Emrakul pour 15. Ça paraît compliqué. Vol, piétinement. Est-ce qu'on est mort? J'en ai bien peur. Emrakul pour 15, on est à combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si j'attaque avec tout, on lui met jamais 12. On a été trop gourmand avec notre Golos. On pourrait renvoyer Golos dans notre main. On le renvoie, on joue pour 5 et on ne peut pas le rejouer. Un, deux, trois, quatre. 5. On va chercher un terrain. Prendre une île. C'est dommage qu'on puisse pas jouer à Emrakul. On est à 3. On passe le tour. On pioche. Voilà, on avait des bonnes cartes. C'est bien dommage à un tour près. Je pense que là, on a perdu. Ouais. On va bloquer pour le principe. Et on passe à moins 1. Aïe aïe aïe. On a gagné le lancer de dés, on va jouer premier. On a été trop agressif sur celle d'avant. On va garder celle-là. On va la garder. On a un tour 2 potentiellement avec nos skydivers.
Steam Vent tapped. Et on passe le tour. Court of Bounty qui nous sert à rien. Ah là, je m'en veux si on avait été moins gourmand avec notre Golos. Ou si notre Golos nous avait trouvé les bonnes cartes. Franchement. Ashra. C'est compliqué. On n'a rien de chez rien. On va juste passer le tour. Ashen Rider. Vivement qu'on fasse Court of Bounty. Est-ce qu'on va faire comme hier de défaite ou discard draw? Un deck réanimation. On va voir ce qu'il met au cimetière. Deux terrains. Un mox. Parfait. On va essayer de récupérer le mox. On va essayer de récupérer le mox. C'est contré. Ok. On va donc passer le tour. Ce qui nous rapproche de Golos. Golos pour aller chercher du vert. Un anti-betch à notre adversaire. Ou alors. On va le savoir. Il peut flashback faceless looting aussi. Si ça, il nous le renvoie en main. Moins 2, moins 2. Et on n'a rien de défaussé. On va tenter notre Golos. Et on va aller chercher. On va aller chercher du vert. Il est où? Lumbering Falls. Pour du bleu et du vert. Ok, on aurait pu prendre le bleu noir pour Bedful Strix. On aurait pu. Prochain tour, qu'est-ce qu'on fait? On joue une île. Et on peut pas animer notre terrain, de toute façon, il nous manque du vert. Qu'est-ce qui se passe chez notre adversaire? Je sais pas. Nous, on a une force of will qu'on peut hardcast. On va déjà commencer par attaquer. On a le droit à la combo en face. Il a deux cartes en main. Quelles sont les chances qu'il ait une Force of Will ou un Daze? Il peut avoir un Daze. Dans les deux cas, il Daze, il renvoie une île.
On va le laisser tenter la combo. Ok, nous ça change rien pour nous. On a toujours de quoi faire Force of Will à 5. Est-ce que notre adversaire va pour Splinter Twin? Ça, c'est la bonne question. En tout cas, en jouant son Deceiver Exarch, il nous dit clairement qu'il a la combo. 1, 2. Non. Faceless Looting, vas-y. Hein. Draw Discard. Spell Spears, nous c'est bien. C'est bien pour nous ça. Un noir. Exhume. On va contrer Reanimate. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Miracle, c'est lourd. Vivement qu'on ait notre deuxième source verte. Avec une deuxième source verte, on est Court of Bounty, on est le monarque et on a gagné. Et pour l'instant, on n'a pas ni noir, ni bleu, ni vert. Alors, on va continuer comme ça, garder un contre-sort ouvert au cas où. 3, 4, 5. Shark Typhoon. De toute façon, vas-y. C'est une 3-3 vol, c'est bien. On pouvait rien en faire. Un rouge, 2, 3, 4. Heureusement, on a notre contre-sort. Est-ce que... Ouf, c'est passé. On se fait attaquer en vol. Et on a un signet qui fait du rouge et du noir. C'est parfait. On va pouvoir avoir joué notre Baitful Strix. On pioche. Et Show and Tell, Emrakul. Il a la protection contre tout. Je pense qu'on le tente. Hein. Ragavan contre Emrakul, ok. Notre adversaire a un tour, sinon on fait Annihilator 6 et ça va commencer à faire mal. Surtout qu'il a le vol. Ok. Non, c'est nous qui sommes en difficulté. Faut qu'il attaque avec tout, sinon ça marche pas.
serait bon de pour notre adversaire s'il était sur justement la pioche du conscrit. Nous, on va sacrifier un, deux, trois, quatre, cinq. Et 6, comme ça on sacrifie nos terrains. On bloque, il n'a pas le piétinement. On n'aurait pas dû bloquer, on passait à 2. Aïe. Erreur de ma part. On va concéder, on va faire la deuxième tout de suite. On n'aurait pas dû bloquer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Call against commande. Non, je pense qu'on va la garder comme ça. On enlève mana creep pour call against commande. Si on ne bloquait pas, on passait à 15. On passait à 15 et 15, bah c'était. Enfin, on passait à 2. Et à 2, on était mort le tour d'après parce que lui, il sacrifiait 6 terrains. Comme ce qu'on a fait. Allez, on va jouer premier. Show and tell contre le colosse. On est pas mal, il nous manque un terrain, mais on la garde. Spire Bluff Canal au tour 1. On passe le tour. Ah. Je crois qu'on vient de dire au revoir à Show and Tell. C'est malheureux. Donc maintenant, pour jouer notre main, il reste plus grand-chose. Il nous reste d'être le monarque et d'être le monarque. Je pense honnêtement qu'on est mal barré sur celle-là. On fait une probe. On pioche une carte. On va payer avec notre vie. Ashiok. Autant dire qu'on a perdu. Je vois pas comment. Ah, quoique. On fait Vendilion Click sur Ashiok. Et on peut passer le tour. On a enlevé à chaque. Il vient de jouer une montagne. Il veut rester en défense. On le comprend. Et nous, allez. Un terrain. Et on passe le tour également. Prochain tour, 2, 4, 5, 6, 2 tours pour le Sphinx. Il vient de jouer une île, donc il lui reste une montagne normalement. Nous, on joue une île, on en est à 5.
n'y a pas grand-chose à faire. Hardcast et Miracle, ça va être compliqué. 4, 5, il peut faire Mystique Confluence. Et nous, on a Counterspell. Donc autant dire qu'on n'a rien. Ça va être un match compliqué. Ok, pioche, défausse. Il met une créature qui va tenter de réanimer. Non, défausse un terrain. Donc nous, on est bloqué sur notre source de mana noire. Ça serait bien de l'avoir. Et donc, que fait notre adversaire? Il nous dit qu'il sera de retour sous peu. Donc il n'y a plus qu'à attendre. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Parce que je sais pas pour vous, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, c'est l'heure de manger quasiment. Et on doit m'attendre. Je vais vous faire une avance rapide sur le moment où revient notre adversaire. Ok, il est de retour. Il a de quoi faire Mystique Confluence. Ok, il peut attaquer. Ninjitsu. Ok, bon, on est bien content que ce soit ces deux cartes-là. Même si ça booste notre adversaire niveau mana. Ça nous enlève une source verte, malheureusement, et blanche pour Golos. C'était notre seule chance. Et ça, on va contrer. On peut le récupérer. Tiens, c'est pas mal. On va tenter de le récupérer. Comme ça, s'il veut nous la renvoyer en main, faut qu'il la rejoue. Et pour qu'il la rejoue, faut qu'il ait encore des créatures. Allez, allez. Deux. Ragavan. Qu'est-ce qui va nous exiler? Un marais. Il a Dashra Gavan. Il peut toujours faire Mystique Confluence, tout nous renvoyer en main. Sachant que c'est une instant. Allez, allez.
Ok. Se l'auto-renvoyer, pourquoi pas. C'est pas bête. On a Emrakul. Pour chaque type de carte dans notre cimetière, bah on a que des instants et sorceries. Donc au lieu de valeur 13, il vaut que 11. Si on attaque avec Vendilion de clic, ça nous permet d'avoir un bloqueur pour Agavan. Pour éviter justement, on aurait bien aimé avoir un land. Un land, ça nous aurait permis de jouer notre Sphinx tranquillement. De repiocher. Piocher, piocher, piocher. Ok. Pou, pou, pou. Bon, notre adversaire va se dépêcher un peu. Ragavan, simplement. Et Force of Will. Pouf. Force of Will qui nous sert à rien. On aurait préféré un terrain. On va donc rester en défense sagement. Que fait notre adversaire? Pour beaucoup. Un Shark Typhoon. Ce qui veut dire qu'on va pas pouvoir tout bloquer. À la rigueur, on lui laisse passer le Shark Token. Et là, je pense qu'on a perdu. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a Ninjutsu, son propre Shark Token? Je pense pas. Toute façon, on pioche et on est mort. Je vois pas ce qui nous permet de rester dans la partie. Et voilà. Et voilà, malheureusement, on n'a pas réussi à faire mieux que dans notre partie numéro 1. J'espère toutefois que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Laissez des commentaires, des pouces en l'air, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Magicalement vôtre, Guillaume.